Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Exa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve sur la nouvelle map du PVP Swap, la map Plaza. Et les mecs, cette map, c'est un peu le feu, tu vois. Non, franchement, c'est une map qui est vraiment très très bien. J'adore cette map. Hop, vous allez voir donc très très rapidement pourquoi. Donc, déjà, j'adore le système, hein, tout simplement. Hop, donc si vous ne l'avez jamais faite, et ben voilà, ben, c'est le moment, hein. Tout simplement, donc c'est une map qui est en event, donc qui est pas encore sortie. J'espère vraiment qu'ils vont la sortir parce que c'est vraiment un énorme coup de cœur. Hop, on va partir sur ça. Bon, comme vous voyez à première vue, on est que 16. Bon, à première vue, voilà, c'est pas non plus la folie. Sauf qu'en fait, j'aime bien le principe parce que bah voilà, il y a que 4 modules entre guillemets. Les 4 joueurs sont TP sur 4 modules différents, enfin 4 VS4, VS4, VS4. Et à la fin, bah, le seul qui reste de chaque truc, de chaque module, est TP en finale. Et après, ça fait une finale à 4 totalement folle parce que la map est vraiment très petite. Moi qui suis plus habitué à des trucs comme Epilab, je vous avoue que ça m'a quand même pas mal changé la première fois. Donc j'ai pris alchimiste également parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages à être alchimiste. Hop, notamment, je vous l'avouerai, ce qu'on n'a pas là, c'est-à-dire des potions de speed. Bon, là on a une potion de jump boost. Alors bon, écoutez, entre les deux, je préfère quand même la jump boost, je vous avoue. Donc voilà. Non mais vraiment, bon, là c'est vraiment pas de chance parce que voilà. Qu'est-ce qu'on veut récupérer? Bah forcément des poisons, des jump boost, pas des jump boost, des speed. Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut de base. Et puis bah qu'est-ce qu'on a? Écoutez, hein, c'est voilà, c'est autre chose. Hein. Voilà, donc hop, on va aller se faire un petit truc. Voilà, une petite épée, sharpness. Bon, on va bien voir qu'est-ce que ça donne. Bon, à défaut d'avoir une potion de poison 2, on a une damage qui va faire quand même pas mal de damage. Voilà, tout simplement. Alors, je sais pas si quelqu'un a pris le coffre tout au fond là-bas. Est-ce qu'on aura le temps d'y aller? Excusez-moi, j'avais envie d'éternuer. Du coup, j'ai fait. J'ai éternué tout petit. Ok, bon, là, il y a un petit frérot bignot. Ah, oh, putain, non, il y a une speed 2. Non, enfoiré. Attendez, faut, on va le coincer. Oh, c'est bon, on va le coincer. Ok, Expelliarmus, le petit Expelliarmus des familles. Hop, on récupère ça. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Bon, vas-y, il n'y a rien de mieux, ça me saoule. Tant pis, on triple stuff, on s'en fout. Hop, ok, là-bas, il y a un petit frérot qui... Ah, qui m'a vu. Ah, 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 ah. Je vais peut-être le tuer au bout d'un moment, non? Ah oui, c'est vrai que j'ai un arc normal. Ok. Ah d'accord, bon, ça c'est sympathique également. Bon, en fait, je suis merde, mais... Ah d'accord. Ah! Fou, c'était chaud, GG. Ok, bon, du coup, on a plus de potions, nickel. Hop, on va récupérer ça, on va le mettre là, ça on s'en fout. Ok, hop, alors ça c'est très bien, en général, hein, bon, quand t'as une potion de speed, c'est mieux, enfin bref, hop, est-ce qu'il avait des meilleurs stuff, ça c'est nul, et ça là-bas, oh yes, ça c'est bien, ok nice, alors ça c'est exactement ce que je voulais, pour faire la petite combo sympathique, également c'est pas du poison 2 mais bon c'est pas mal également. En gros vous balancez lenteur et ça quand vous avez en speed 2 hein, bien sûr vous rapprochez un mec vu vous faites la fusée en finale. Voilà, c'est la finale, on va bien voir comment ça va se dérouler. Donc on est 4, des fois ça arrive d'être moins, des fois ça arrive d'être plus. Quand je vous avoue quand c'est 4 c'est assez chaud. On va, enfin vous allez voir ça hein, bien évidemment hein, tout de suite. Voilà, après la pub, surtout que là on n'est même pas full fer. Il nous manquerait vraiment. Ouais, le pantalon surtout. Je sais pas si j'en ai pas passé un en plus tout à l'heure. Je sais plus. C'est pas bien grave. Hop. On va bientôt être TP de toute façon. Voilà, soit final. Enfin, déjà pas de chauve-souris, ça fait plaisir. Oh, le stipulateur. Ah oui, on en est là. D'accord. Ok. Donc on part sur les petites sharpness. Hop, la petite sharpness qui fait plaisir. Vous savez quoi? Bah, à défaut d'avoir. Ah non, hop, à la fois d'avoir un plastron offert, on aura un plastron en maille, voilà, tout simplement. Et là, j'espère que... Hop, très bien, on a eu ça. Alors là, il faut jouer, ouais, comme je disais, un peu plus stratégique, les mecs.
Genre vraiment pas partir sur, sur des trucs en mode balèque. Ok, faut jouer intelligemment. C'est-à-dire que voilà, lui aussi, lui tu vois, lui il a un peu trop souffert dans sa vie. Hop. On va en isoler un. C'est la folie. Ok. On va faire un truc. C'est qu'on va déjà activer sa tête. C'est quoi? J'ai dit ok. Hop. On enchaîne les petites flèches de l'espace. Hop. Et voilà. Et là, mon gars, il est déçu. Donc voilà pourquoi c'est super fort, en gros, d'être d'être enchanteur. Pas enchanteur, justement, d'être alchimiste. Ça vous donne juste ben, un avantage de fou hein, contre, contre ça. En tout cas, voilà. Donc, c'était cool. Donc, bah, GG. Bon, la potion de poison, voilà. Hein, écoutez, on les a, donc on les utilise simplement. Donc voilà, donc ouais, non, vraiment alchimiste, si vous voulez jouer à un mode de jeu comme ça, vous pouvez tenter avec enchanteur. Je vous ferai peut-être une autre vidéo avec le mode, enfin le kit enchanteur, on verra bien. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à laisser des pouces verts si elle vous a plu, et puis bien nous, on se retrouve très bientôt, bye bye tout le monde, c'était Exa.